Et salut à tous, c'est Rio, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de Mario Kart, oula, ah ça allait arriver, ça allait arriver. Et non, il ne s'agit pas de Mario Kart, mais bien de Monster Hunter 3, pour la chasse numéro 2, avec ce bon vieux Yuyu, Nayamu sur le forum. Donc là j'ai rejoint sa salle, parce qu'il est déjà prêt et tout. Il est en train de pioncer là, ah non. En train de m'attendre, on va voir ce qu'il veut faire comme quête. Chasser un grand Jaggi. Alors là, pour battre le grand Jaggi, j'ai besoin de me mettre en tenue. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi je ressemble vraiment. Hop, on y va comme ça. Soyons fous. Ce n'est que le grand Jaggi, voyons. Et va se dire, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous avec une connerie là? On va quand même bouffer un coup. Pour être en forme. Allez, on le fait sauter. Là, il m'a dit, il veut faire une plus grosse chasse que la fois dernière. J'espère qu'il va pas y avoir de problème de déconnexion. Bon, ça n'a pas marché ce que je voulais faire. Tant pis. Je voulais aller voir dans le coffre et sans faire exprès, j'ai mis prêt. C'est pas grave. De toute façon, du grand Jaggi, un qui m'intéresse. Là-dedans. Allez, petit chargement comme d'habitude. Mais non, il va pas me tuer, voyons. Pourquoi me tuerait-il? Ce petit Jaggi. Se manger un petit truc, hop, et c'est parti. Le grand Jaggi, les amis. Zone. Suis-je pas beau avec ah mais il l'a trouvé. Eh bien, suis-je pas beau avec mon petit caleçon rose? Il a tout louvé, le golin Jaggi. Bah voilà, sous-quête A fini déjà. C'était quoi la sous-quête A? Mais c'était du grand Jaggi, mais ça y est. Bien joué. Il y a du monde ici. Tiens, sous quête B fini. Hop, étourdir le grand Jaggi. Viens ici, grand Jaggi. Et merde. J'ai loupé mon coup. À une milliseconde près.
c'était la première potion miracle. Alors, Grand Jagi! Ah, c'est Dieu qui m'a poussé. Bien sûr, les dommages qu'il me fait, ça ne m'atteint pas. Hein. Ça serait galère sinon quand on est à 4 et qu'on se tape dessus. Tiens! T'en veux encore? Et merde. Tiens, Grand Jagi! Tu vas mourir ce soir, Grand Jagi. Ouf, quoi qu'il allait me toucher. Ouf. Ça fait mal, hein? Il aime pas ça. Ouf, je me suis quand même pris un coup là. Bah ouais, t'as beau t'excuser, mais du coup je me suis pris un coup du Golin Jagué. Déjà que mon armure est très légère, je suis très vêtu très peu. Encore merci Yuyu. C'est sympa. Ah bah il a mis un piège, tiens. Et voilà. Et voilà les amis. Le Golin Jagué, c'était de la rigolade, je sais pas en combien de temps l'a tué. Donc, du coup il faut faire le ménage là. Je vais faire ces petits bouffons là. Dégage toi, hop. Toi aussi tu dégages. On a combien de temps? On a 7 minutes. On a dû le faire en 5 minutes le truc. Je sais plus si ça nous montre le temps. Prendre prime, qu'est-ce que c'est? Griffe Grand Jagui. Si on peut éventuellement prendre. Ça aussi. Le reste, c'est bon. Ah! Rotation augmentée, c'est bien ça. C'est très bien. Yuyu qui avait peur que que je meure à cause du grand du contre le Grand Jagui. Voyons. Alors je sais plus comment on fait les émotes d'icônes. Non, c'était pas ça. Enfin, on a tué une distinction. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Favori. Émote. Ah, c'est ça. On va applaudir. Il était petit, c'est bon. C'est la fête, on a battu le Golin Jagui. Groupe écho.
On va quand même se changer un peu pour le Copeco. Ne soyons pas fous. Ne soyons pas plus fous que je le suis déjà. Allons s'habiller. On va mettre le truc du Copeco. Il me manque juste le casque. Bon, on va se mettre le casque. Copeco, des feux. Voilà. Et on va se prendre. Dans l'épée sauvage, griffe royale. Je pense que la griffe royale ne fera pas du bien du tout. Ce qu'il me dit. Je préfère garder la vieille quête pour faire pour les faire avec vous. S'il veut. Queue de dragon. Dorade cramoisie. On va le prendre vapeur. Il est obligé de m'attendre à chaque fois. On a rien à foutre. Bon allez, trêve de plaisanterie. Allons chasser le Kurupeko. Cette espèce de volatile. Bien con. Vous allez voir ce qui va se passer. Jouer avec le feu. Allons-nous jouer avec le feu? Je ne pense pas. Plutôt essayer de le refroidir. Hop, on se prend une illusoire, une carte, et basta. Que me dit-il? Oui, tout à fait. Même des fois, il y a le... Ça dépend, je crois. Avec son cri, il appelle un autre monstre. Mais il me semble qu'il a déjà appelé la Jacrus. Mais le grand Jaggi. Mais bon. La rature ne me fait point peur. Ah, j'ai oublié de bouffer une petite ration, tiens. Qui est-il? Qu'est-il, mon ami? Avec du jaggi. Il n'y a rien du tout par ici. Allons voir en 8. Merde, il a fait quelque chose là-bas. Allez, on va faire un petit saut. Petit saut de l'ange. Petit saut de l'ange, hop, on atterrit sur nos pattes.
Sans perdre la vie. Vous voulez? Ah d'accord. Quel con. Ah, je me suis rien pris. Il aime pas ça l'eau, moi je vous le dis. Voilà, vous avez vu comment il aime ça l'eau? Plus le bon coup de marteau de Nayami. Ça lui fait que du bien, moi je vous le dis. Ouf. T'es juste derrière moi ce con. D'accord, petit bug de la télé. Plus de son. Ok, plus d'image. Ah, ça m'a déjà fait ça aussi avec des sessions de Mario Kart. Oui, putain. Con. C'est très chiant, surtout quand tu filmes. Non, il se casse de toute façon. On va aiguiser le machin, aiguiser le petit couteau. Oh là, il part loin, cet abruti. Oui. C'est là que ça serait drôle si on tombe sur un lajac russe en même temps. Barbotte le petit canard. Allez, viens ici. Coupe écho de merde. Ouf. Ah, tu m'as touché en même temps. Et merde. Plus ce con il peut se reprendre la vie en faisant son truc là. Souvent il se reprend la vie. Ouf, rien dans l'eau. Au moins le feu n'atteindra pas. Merci Yuyu. Là il se prend de la vie là. Puis sa danse nuptiale, je sais pas quoi. Ah là on l'a empêché de prendre la vie. Bien joué Yuyu. Il va aller se baigner ou quoi? Putain, c'est pas vrai, Yuyu! Putain, mais... J'en ai marre. Comment ça souffle? Oh putain. Pas bon ça. C'est bon, j'ai pas été intoxiqué, je crois pas. Quoique aussi j'ai l'impression. Oh putain, il y a de l'udrotte. Pas pensé que lui pouvait revenir. Et là je suis mal barré.
C'est bon, il s'en va. Bon choix. Je le laisse un peu seul, hein. Il faut qu'il s'entraîne un peu aussi. Hein. Allez, j'arrive. Reviens ici. Saloperie d'oiseau. Où est-ce qu'il est? La fumée sort de mon corps. J'ai dû être asphyxié. Pas d'autres explications. Oh là là. Si tu veux le faire tout seul, Lulu, tu me dis, hein. Moi, je vais chasser le loup droite et puis je te laisse. Hein. Sur le prophète, je crois que c'est sa gorge en plus. Espèce de truc là. Ouf. Allez, tiens. Son bec aussi. Je crois qu'on peut même lui briser le bec, je crois. Prendre un peu de potion. Premier soin. Et merde. T'as vu comment il boite, ce con? Enfoiré. Il y a le droit qui arrive. Le v'là. Merde. Aiguisé. Vous voulez à 3 mètres à chaque fois? Incroyable. Allez, il était fini là. Allez, descends. Brutus de corbeau. Allez. Tu sais que ta dernière heure est proche. Putain. Quel enfant rousse. Je pense qu'il va dormir dans le 8.
Il va mourir, Yuyu, t'inquiète pas. Je sais qu'il va dans le 8. Non, ah non, ici. Non, dans le 8 ou 7. Bien ce qui me semblait. Allez, viens. C'est fini. Tu es fini. L'arme elle diminue à chaque fois, là. Tranchant de l'arme. Faut pas grand chose pour le niquer. Lui. Potion. Attention. Eh merde, il m'a quand même touché. C'est barré ce con en 8, je dirais. Comme à son habitude, ils veulent crever ici. Les Kurupiko. Ils veulent mourir ici. Quel enfoiré. Allez, viens ici. Bah voilà. Et voilà. Il faut de la patience, mon cher. Allez, allons le dépecer. Lui prendre ses os, ses tripes, ses boyaux. Tout est bon dans le cochon. Voilà, on a terminé avec lui. On va faire un saut de l'ange. Saut de l'ange! Eh merde, je voulais applaudir l'équipe. Mais je n'ai point eu le temps. Bien joué à toi, Yuyu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Plus vie. Allez, on va tout prendre. Espérons pouvoir avoir. Ah, c'est un record en plus. It's a new record. Essaye de bien cadrer encore, mais bon. C'est la malédiction. Bon. Peut-être quelque chose de plus costaud là maintenant. Faut attaquer avec du lourd là. Bref. Allez. Hop. Est-ce que je peux avoir le truc? Je ne sais point. Maître forgeron. Créer armure. Toujours pas. Qu'est-ce qui me manque? Deux becs étranges. C'est bien étrange ceci. Désolé si je ne tente pas les quêtes de capture, je suis nul. Ah, ça pour le moment. Et ben moi aussi.
C'est pas mon truc, les trucs de capture. À chaque fois quand je le fais en multi, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Ce que j'aime le moins en plus, les trucs de capture. Au lieu de vous acharner contre le monstre, il faut le capturer et tout. Faut qu'il soit fatigué et vous le capturez. Un peu saoulant la longue quand même. Que des fois tu le tues et tu l'as pas capturé quoi. Il est mort avant que tu puisses le capturer. Parce qu'il est toujours niveau 1, ah, il est passé rang 2. Nayami ou rien. Bien. Bien d'accord. Que veux-tu faire? Membre Hyperion. Chasser un Ludrot royal, tiens, la vengeance. De la partie précédente. Eh bien, je dis oui. Ça t'avait pas compté la quête, d'accord. Ouais. Eh bien, nous allons faire ça alors. Je vais me changer. Et nous allons battre. Se confronter à un Ludrot royal. Hop. Juste m'acheter une petite potion. Deux potions, hop. Et c'est parti. Et merde, j'ai pas fait like. Quel con. Si j'accepte pas la quête, enfin si je. Pas une demande de quête, pas pouvoir y aller. Hein. Vraiment trop con des fois. En route vers Destina. Ça m'a toujours fait rire ça. À chaque fois je disais en route vers destination. L'histoire du pêcheur. Chasser un Ludrot royal, eh ben. C'est parti. C'est plutôt massacrer un Ludrot royal. Pas très écologique ce jeu. Plutôt sanguinaire comme jeu. Finalement. Un jeu dans un environnement où des monstres vivent paisiblement. Et votre but, eh ben, c'est de les chasser. C'est d'en faire de la bouillie. Ou bien de les capturer, mais. Où est-ce qu'ils vont? Ouais, je suis pas sûr qu'ils. Je suis pas sûr qu'ils aillent dans un zoo, hein. Je crois plutôt que les capturer pour avoir la fourrure ou tout comme ça. Hein. Ou pour les dresser, je sais pas. Le Ludrot royal, souvent il en 4. Allons voir ça. Oh, plein de petits poissons. Ouais, il était en 4. Ce sont des monstres inoffensifs. C'est par là. Le voilà, ce cher Ludrot royal. Eh bien, bonjour, mon ami. Info quête, blesser la crinière et couper la queue. Couper la queue c'est difficile, on a tous les deux un marteau je crois, on a toujours son marteau. Qu'est-ce que je fais moi? Si ça commence comme ça ne va pas le faire. Ah, dans la tête. Ça fait mal ça. Ouh, moi aussi je me suis pris un bon coup. Ouh putain. Il s'énerve le petit. Ouh.
Ouh, il a failli m'écraser ce con. Tiens, prends-toi ça dans le bide. Voilà, dans la gueule, tiens. Crinière! Ah, je me souviens de celui-là, Droit Royal, quand j'ai commencé à jouer. Je le détestais, mais à mort. Il m'avait trop saoulé, j'arrivais pas à le battre quand je commençais vraiment. Quand je débutais. Il a cassé sa collerette. D'ailleurs, c'est la collerette ou la crinière qu'il faut blesser? C'est la crinière. Bon, c'est plus facile quand même. C'est pas la collerette. Et merde, comment j'ai mis ça déjà? Je ne sais plus. Ouais, je sais plus comment j'ai mis ça. Et merde. Non, c'est pas ça. Carte. Voilà. Il est sous l'eau maintenant. Eh bien, soit. On va moins rigoler. En tout cas, de mon côté, ça va moins rigoler. Que lui il est super agile dans l'eau et super rapide, encore plus rapide que sur terre. Tiens, il fait toujours des petites merdes. Tiens, sur la tête, ça te fasse du bien là. Putain, mais le petit loup de rotte de merde là. Et merde, j'ai pas le temps de bouger. Oh putain, j'ai cru aller jusqu'ici, mais non. J'ai eu du bol, je trouve. Oh putain, et j'ai pile dans la direction où il tourne, où il va. Ah, il a assommé bien. Je vois rien, casse-toi l'autre. En train de le fumer là. Putain, mon arme est cassée. Putain, mais je l'ai pas vu. Je vais reprendre un peu de vie, vite fait. Aiguiser. Ça prend du temps et il y a des petites ludrottes qui vont me saouler sinon. Où est-il?
Viens par ici, mon beau. Oh putain, je me prends plein la gueule. Ouh. Et merde. Voilà. Je peux plus bouger, il m'est paralysé. En tout, on doit avoir 2 vies, je crois. Max. J'ai l'impression qu'il y a un petit passage secret. C'est ici. Je sais plus s'il amène vraiment au bon endroit. Ouais, si. Ouh, et la batterie est faible maintenant. Ça fait déjà 40 minutes. Je pense que... Eh ben, lève-la. Viens, mon coco. Ce quête a fini. Allez, hop. Tiens. Prends-toi ça, mon beau. Mon beau gros loup droite. Putain, mais je l'ai pas vu. Je croyais qu'elle est à gauche, là. À ma gauche. Et merde. Allez, viens. Putain, mais il est rapide ce con. Pas le temps de faire, hein, de bouger. Pouvoir lui couper la queue. Voilà, ça y est, il se casse. Ah, il est épuisé. Ça sent la fin. Ouais, il va vers la zone 8. Quand les membres vont vers la zone 8, c'est qu'ils veulent crever là-bas. Bon, voilà, on va le terminer. À coup de marteau. Allez, viens. Mais non, l'autre qui me nique. Putain, mais... C'est les décors aussi. Et merde. Ouh, la chatte. La chatte que j'ai eue. Casse-toi. Elle est où la plage? Putain, il me colle ce con, il va me niquer. Tiens, elle est l'autre côté de la plage, je suis trop con. Elle est où la plage? Elle est là-bas. Je me régénère parce que là, c'est pas bon du tout. Voilà qui est mieux, on peut repartir. Quasi fini.
Et merde, attends les petits cons là. Putain de l'udrate. Il sait que son heure approche. Mais attends. Oh ma gueule, putain. Putain, il va me niquer. Allez, c'est fini le droite. Vraiment rapide ce con. Genre il se casse. Genre. D'habitude il meurt ici. Mais genre. Ah ouais, il veut revenir à... Je vais recrever ici, tiens. Oh là là. Il m'énerve. Putain, je vais réussir à mourir quand même avant la fin. Voilà, terminé. On va le dépecer. La nature est le yu-yu. Le Rio est le yu-yu, tu veux dire. Le Janeiro est le yu-yu. Bon. Je ne sais pas combien de temps ma batterie va durer. Va durer encore, donc... nous allons nous arrêter ici. J'espère que cette seconde vidéo de Monster Hunter 3, chasse numéro 2, vous aura plu et vous donnera envie de nous rejoindre. Donc tout se passe sur le site hooper.fr. Partie tournoi et partie en ligne. Vous allez sur le topic Monster Hunter 3, pardon. Et là vous verrez que ce cher Nayamu s'occupe de tout et que pour l'instant on n'est pas beaucoup. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle partie de
Monster Hunter 3.